Depuis le 1er septembre 2023, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier et sa délégation sont au Cameroun pour la RAM, la retraite des ministres assistants avec le leader mondial et pour une croisade de salut et de guérison. Malgré l'absence du pasteur Boniface Meunier, les cours de formation des dirigeants spirituels se tiennent de façon fidèle au siège de la dite communauté Sisa Jamé Liberté. Pour ce mardi 12 septembre, c'est le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon, qui était l'orateur. Il a enseigné les frères sur le thème « La vie chrétienne normale ». Nous devons mener une vie chrétienne normale. We must have a normal Christian life. Et le type de vie chrétienne que tu mènes and the kind of Christian life that you need to have dépend premièrement will first depend du type de message évangélique qu'on t'a prêché. On the type of gospel message that you received. Parce que c'est le message que tu as reçu au début qui te fait naître en Christ. Because it's the message you received at the beginning that will give you birth in the church. Ta manière de naître en Christ, the way you are born in Christ détermine la suite de ta marche avec Christ. We determine the following of your work with Christ. Le type de message que tu as entendu, the kind of message you heard qui t'a accouché en Christ, that moved you in Christ va déterminer la suite de ton histoire avec Christ. Will determine the following of your story with Christ. C'est pour ça que les apôtres, that's why the apostles ne jouaient pas avec le message évangélique. Didn't play with the evangelic message. Parce que c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Because it is the entrance door to Christian life. C'est le chemin par lequel chaque personne entre en contact vital avec le Seigneur Jésus. It is the way each Christian enters the vital life with Christ. Dans le passage que nous avons lu, in the passage we've just l'apôtre read, l'apôtre Pierre a présenté l'évangile de façon claire et authentique. Apostle Paul presented the message clearly and genuinely. Il a présenté Jésus-Christ. He presented Jesus Christ comme étant l'unique chemin, as the only way par lequel toute personne peut avoir accès à Dieu. Through which every person must have access to God. Et il conclut, and he concluded, en disant, by saying, que toute la maison d'Israël sache avec certitude, let the house of Israel know with certainty, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. That God made Lord and Savior Jesus. Il a annoncé Jésus Christ. He announced Jesus Christ. Il a annoncé Jésus crucifié. He announced Jesus crucified. Il a annoncé Jésus enseveli. He announced Jesus buried. Il a annoncé Jésus ressuscité. He announced Jesus resurrected. Il a annoncé Jésus assis à la droite du Père. He announced Jesus seated at the Jésus right hand le chemin. Of the Father. Jesus the l'unique way. L'unique chemin. The only way. En dehors de Christ, beside Christ, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin pour aller no à Dieu. There is no other way to reach Jesus. Alléluia. Amen. Tous ceux qui avaient été gagnés ce jour-là, all those who were won that day, c'était joint de façon systématique, they were added to the à la communauté des frères qui existait déjà, to the group of brethren already there, à la communauté des frères qui existait déjà, to the community of brethren already et there. Les apôtres, and the apostles, avaient fait comprendre à ces gens-là, made them know, que vous ne pouvez pas poursuivre la vie chrétienne that you cannot go de façon isolée. You cannot go on with your Christian life. Le succès de la vie chrétienne alone, the success of Christian life, c'est la vie communautaire. Is the life together, être ensemble avec les frères. To be together with brethren, marcher avec les frères. Working with brethren, aimer la présence des frères. Loving the presence of brethren, être là où se trouvent les enfants de Dieu. To be where the children of God are. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a continué. And then he continued. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. They devoted themselves to the apostles. Dans la communion fraternelle. And to fellowship. Dans la fraction du pain. Breaking of bread. Et dans les prières. And prayer. Verset 44.
Verse 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. All the believers were together. Et ils avaient tout en commun. And had everything in common. Verset 46. Verse 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Every day they continued to meet together in the temple. Ils étaient tous ensemble chaque jour. They were together every day. Chaque jour. Every day. Chaque jour. Every day. Tous ensemble. Together. Assidus au temple. In the temple. Pour être enseigné. To be taught. Pour la communion fraternelle. For fellowship. Pour la prière. For prayer. Ces premiers chrétiens. Those early Christians avaient compris. Understood. Qu'une bonne vie chrétienne. That a good Christian life. Ne peut pas se mener hors des frères. Cannot be loin des frères. Outside the brethren. C'est impossible. It is impossible. 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 Tu ne peux pas réussir. You cannot succeed. Sans être avec les frères. Without being with the brethren. Quand les frères sont en prière. When the brethren are praying. Que tu es chez toi à la maison. And you are at home. Ou bien tu es ailleurs. Or elsewhere. Faisant autre chose. Doing something else. Tu seras un mauvais chrétien. Quelles sont les vérités que les frères ont retenues à l'issue de cet enseignement? À vous la parole. Nous avons été bénis exceptionnellement aujourd'hui. La semaine dernière, le Seigneur nous avait parlé du retour à Dieu et au don. Et aujourd'hui, le Seigneur a touché le volet de la fidélité aux réunions de l'Église. Et moi particulièrement, ayant été malade longtemps, quand le Seigneur m'a fait la grâce de guérir, j'ai continué dans la paresse. J'avais plus goût aux absences. Et pour moi, c'est une renaissance aujourd'hui. Vraiment, je suis touchée. Parce que j'ai blessé Dieu par ma paresse, par mon infidélité. Je n'ai pas été un modèle pour l'Église. Pour les frères de l'Assemblée. Et je reconnais que j'ai fait beaucoup de tort à l'Église, aux frères. Alors j'ai décidé de revenir de tout mon cœur. Ce message-là est bienvenu pour nous réveiller tous, pour nous ramener à la vie normale de l'Église. La vie normale de l'Église, c'est une vie de communauté, une vie de communion fraternelle. Et c'est ça qui est facteur de croissance. C'est quand nous sommes ensemble, nous vivons cette vie de communion quotidienne et constante que Dieu non seulement nous donne de grandir personnellement, individuellement, mais aussi ça fait que Dieu ajoute à l'Église et ça produit la croissance. Donc si nous voulons la croissance, nous devons saisir ce message pour revenir à la vie normale de l'Église. Et personnellement, je suis béni et quand je vais partir, demain je vais enseigner. C'est ce message que je vais répercuter à Séguéla, pour que les frères soient dans le même esprit que l'Église. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je me rends grâce au Seigneur par rapport à cet enseignement qui nous ramène, nous tous. Parce que dès le début de nos conversions, c'est la régularité aux enseignements qui ont permis que nous puissions nous fixer. Et je pense que nous devons tous revenir, parce que les excuses ne nous permettront pas de grandir spirituellement. Parce que toutes les fois que nous retirons des frères, on s'émousse. Et je pense que nous devons encourager chacun d'entre nous à être toujours présent aux rencontres. Amen. Ce qui moi m'a marqué, c'est lorsque le pasteur a dit qu'on ne peut pas mener une vie chrétienne parfaite loin des frères. En effet, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit que lorsqu'on a fait la repentance, il est normal pour nous de s'éloigner des frères. Or, en s'éloignant des frères, on s'éloigne de la vie même de Christ. Et en tant que chrétienne, moi, j'ai eu à souvent ne pas venir à certaines rencontres. Et grâce au pasteur, on a eu à se repentir, à prendre des engagements pour pouvoir revenir au premier amour, pour pouvoir revenir près des frères, pour pouvoir revenir près de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que, en dépit de toutes les occupations, Dieu m'a toujours béni avec la capacité d'être présent. Mais je crois que si Dieu a permis que j'entende cet enseignement, c'est pour me dire que je dois encore m'armer de courage pour persévérer dans cette attitude que j'avais. Donc je bénis le Seigneur qui a décidé en ce jour de ramener tous les frères à la vie pratique de l'Église, à la vie
chrétienne. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Revenir à la communion fraternelle, revenir aux différents programmes de l'Église sont en quelques mots ce que les frères ont retenu après cet enseignement. Bonne suite de programmes sur la RTVC, la chaîne de la Bible.